une usine de fabrique de tuiles et de briques, un lieu ordinaire de travail qui va devenir un lieu extraordinaire dans lequel des faits vont se dérouler, des faits très graves, des faits attentatoires aux personnes qui ont été internées puis déportées. Vous allez être terriblement frustré parce que si vous vouliez voir le site dans sa totalité, il faudrait à peu près y passer 2 jours complets pour lire l'ensemble des informations, pour voir l'ensemble des vidéos et pour voir l'ensemble des lieux. Vont être internés simultanément ici plus de 3000 personnes sur les deux niveaux. Si vous mettez 1500 au rez-de-chaussée, 1500 ici, vous allez avoir l'impression tout de suite que c'est beaucoup moins grand. Bienvenue dans notre salle d'exposition temporaire. Donc l'exposition qui s'appelle en anglais Propaganda. Vous avez un certain nombre de documents. J'ai trouvé que c'était bien parce que je savais déjà un peu de choses, mais là j'en sais encore plus. Et c'est vraiment pas cool ce qu'ils ont fait, quoi. On voit vraiment ce que c'était et on peut s'imaginer, enfin un peu difficilement, s'imaginer comment les gens vivaient là et les conditions. Et quand on en ressort, c'est vrai que je me rappelle même il y a quelques années quand je l'ai fait, ça bouleverse quand même. Mon père a été un des chefs de la résistance à Marseille. À ma connaissance, il n'a eu aucune relation avec le camp des Milles. C'est un lieu qui est remarquablement fait sur le plan pédagogique, didactique, ouverture et tout. Il faudrait que tous les élèves, tous les enfants puissent venir. Les déportations de ces 2000 personnes juives, étrangères et françaises, avec plusieurs centaines d'enfants l'ont été sous autorité française. Donc montrer les travaux historiques pour permettre à chacun de se saisir de ces éléments scientifiques pour pouvoir mieux comprendre le présent. Et là aussi permettre à chaque visiteur de déguiser son esprit critique, de conforter ses connaissances sur le sujet pour des connaissances utiles au présent. Parce que nous vous allons montrer au travers du parcours muséographique et dans l'exposition sur les propagandes nazies et pétainistes, comment, quand les mots deviennent fous, les hommes et les femmes peuvent devenir fous. Et donc, c'est ce que nous espérons en accueillant les lecteurs de la Provence et plus largement les visiteurs de toute la France et de toute l'Europe, d'ailleurs. En urgence, le gouvernement d'Aladier va prendre la décision d'ouvrir un peu plus de 240 camps d'internement, dont le plus grand pour la zone dite libre est le camp des Milles.